Apocho National sans pitié sur Makoso lors de sa dernière sortie sur les réseaux sociaux. Apocho aurait fait un post sur Facebook où il a dénoncé bien sûr un dossier très très grave concernant l'une des filles de DJ Arafat du nom de Lashwana. Et ouais, Apocho a été reculé rapidement par Ali Lokodo et certains Chinois de ne pas bondir sur le dossier. Et Apocho a reculé finalement parce que Apocho préparait un gros direct pour pouvoir dévoiler ce dossier. Et suite à cela, le général Makoso aurait fait un post. Il a fait bien sûr un post sur Facebook où il a dit merci bien sûr à Ali Lokodo, merci à tous ces Chinois d'avoir fait reculer bien sûr le port, d'avoir fait reculer bien sûr. D'avoir fait reculer le maudit en traitant Apocho de tous les noms, c'est-à-dire merci à tous ces Chinois, merci à Ali Lokodo d'avoir fait reculer bien sûr celui-là qui ne connaît rien, celui-là qui est un analphabète et tout, traitant Apocho de tous les noms, et ce qui n'a pas du tout plu à Apocho parce que lors de sa dernière sortie encore direct en Facebook, Apocho n'est pas allé par quatre chemins pour lapider bien sûr verbalement le général Camille de Dieu, le général Makoso bien sûr. Et vous voyez, Apocho National n'a pas du tout fait de cadeau au général Makoso parce que, vous voyez, ces deux-là se livrent une guerre sans merci sur la toile. Et bon, je vous laisse suivre les propos de Apocho. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles informations. Poursuivez vos rêves, ils connaissent le chemin. La famille a annoncé d'abord, avant que moi je ne fasse direct. La famille avait déjà annoncé d'abord. Mais tu viens prendre les choses là pour les remettre. Il a parlé de Bébé Kala, il a parlé de ceci, il a parlé de cela. Genre, tu veux faire l'hierarchie de toutes mes erreurs pour venir les exposer, pour lui dire non, arrêtez de le suivre. Mon gars, ils vont continuer de me suivre. C'est Dieu qui bénit, c'est pas l'homme qui bénit. C'est Dieu qui bénit, c'est pas l'homme qui bénit. Ma bénédiction ne vient pas de toi, ça vient de mes parents, ça vient de Dieu et ça vient de ceux qui m'aiment pour ce que je suis, pour ce que je fais. Je suis un être humain, j'ai des défauts, j'ai des erreurs. Mais quand je commettrai des erreurs, je vais les reconnaître et je vais m'en excuser. C'est comme ça que je suis. Que les gens pensent que je suis bête ou pas, je m'en fous. Si je commets une erreur, je demanderai pardon. Parce que Dieu même, la Bible me dit, quand tu blesses quelqu'un, quand tu sais que tu as blessé quelqu'un, il faut t'excuser. Si on t'a demandé, tu es le maître de Facebook, tu es le roi de Facebook, bébé est garé là. Venez donner tes versets, des choses là. J'ai dehors de ta, tu vas t'attendre là-bas, il faut aller parler là-bas. Des versets bibliques de films de Jésus, des dessins animés que tu vas regarder là. Va prendre la Bible pour aller trouver Gédéon de la Dieu. Tu vois, il t'appelle là-bas. Matin, midi, soir, Gédéon te donne des filles. Il dit, viens le trouver sur les terrains là-bas. Va là-bas. Tu n'as pas qu'à d'aller là-bas. Ils vont te montrer à quel moment Jésus a écrit la Bible. Tu ne connais aucun verset biblique. Attends, mais net là, c'est l'argent. Toi, ton Dieu, c'est un Dieu de l'argent. Dieu a dit, allez-y convertir les âmes. Ramenez-moi tous mes enfants sur le royaume des cieux. Toi, tu ne parles jamais du salut. Tu n'as jamais parlé du salut sur Internet. Tu es un agent d'homme de Dieu. Tu n'as jamais parlé du salut. Tu n'as jamais dit à quelqu'un comment il faut faire pour aller au paradis. Toi, tout ce qui te connaît seulement là, une notion de mariage, une notion pour être riche. Comme si le monde se limite au mariage et à la richesse. Tu penses qu'on est venu sur la terre ici, là, c'est pour se marier seulement? Tu penses que tout le monde doit être riche sur la terre ici? Toi, tu as une notion pour un riche. Une notion qui pour un riche. Ton village où tu as quitté là, va rendre le monde riche là-bas. Tu n'as pas de village. Va développer ton village. Va mettre goudron dans ton village là-bas. Matin, midi, soir, tu te fais chier les gens sur Internet ici. Ça t'a demandé, c'est toi, c'est la grande gueule quoi. Tu peux faire quoi à qui ici? Tu peux être le frère qui ici? Tu ne fais personne, mon gars. Tu ne fais personne. J'ai pas peur de toi aujourd'hui ni demain. Tu ne fais personne. Tu me respectes, je vais te respecter. Tu ne me respectes pas, je vais te prendre comme un bas de tapette. Moi, personne ne peut me maudire si la terre ici. C'est pas toi qui vas me maudire. Tu n'es rien pour me maudire. Dieu a dit créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit créons les pasteurs à notre image. Tu n'es pas à l'image de Dieu. Donc ferme-la et laisse-moi dans mon monde. C'est tout simple. Ne cherche pas à me détruire. Parce que tu n'arriveras pas à me détruire. J'ai été élevé par Dieu. Je prie un Dieu vivant, un Dieu qui existe. Quand je fléchis genoux vers le ciel. Je ne fléchis pas genoux devant un homme de Dieu. On va te demander d'être là même, tu as vu ta soeur même parler. Va faire concurrence avec les pasteurs là-bas, ils t'attendent là-bas. Tu ne parles jamais de Dieu, parce que ça ne t'intéresse pas. Quand tu parles de Dieu, tu as 800 personnes, donc c'est une perte de temps. Quand non, mon église est sur Facebook. Mon église est sur Facebook, parce que tu sais que c'est sur Facebook que tu vas gagner ton argent. Tu sais que sur Facebook là, c'est là que tu vas gagner ton argent. Pour aller faire les conférences. Pour aller dire non, c'est mamie, c'est l'auto.
Tu veux mariage, viens à moi. Tu veux mariage, viens à moi. La femme, l'ancienne femme de Ouvouba là, ou bien quoi là, ils l'ont laissé. Son mari l'a laissé, elle, deux ou trois enfants. Pour aller marier Coco et Emilia. La fille la patate dans ton église, elle, toutes tes yeux d'options là, ils l'ont laissé. Tu veux pas de quoi? Et toutes tes intentions là, ils l'ont laissé. Moi je ne cherche pas concurrence avec toi. Hein. Je n'ai jamais dit j'ai l'argent. Je ne cherche pas à être en concurrence avec toi. Je ne cherche pas à faire 37 000 cas. Je ne cherche pas à faire 20 milliards de cas. Je ne cherche pas à faire 35 000 vues. C'est toi seul qui en parle de vues net, tu es premier. Partout en parle net là, tu veux montrer que non, j'ai fait 35 000 cas. Je m'en fous de tes 35 000 cas, mon yoga. Je ne vis pas pour Facebook. Je m'en fous de tes 35 000 cas. C'est dans ta tête qu'il y a la concurrence. Je m'en fous des 35 000 cas. Je m'en fous des 35 000 cas. Le peu de personnes qui me suivent avec leur amour, ça me suffit. Les moments, je vous en supplie. Dites à ce monsieur-là de me laisser en paix. Vous êtes des mamans. Vous avez mis des enfants au monde. Vous ne pourrez jamais supporter que quelqu'un vienne traiter votre enfant de maudit. Vous ne pourrez jamais le supporter. Je ne cherche pas à faire quoi que ce soit. Vous ne supporterez jamais. On n'a qu'à apprendre à se respecter. Je suis un père de famille. J'ai trois enfants. Je suis pas un irresponsable. Hein. Ma première fille va à l'école. Je suis pas un irresponsable. Hein, mon gars. Je suis un père de famille. J'ai trois enfants. Je te dis en même temps. Je suis pas un irresponsable. Je ne cherche pas la visibilité sur quoi que ce soit. Je ne cherche pas quoi que ce soit. Je n'ai exposé l'image de personne. J'ai reçu des informations. Je l'ai dit. Allez le croire même. Le grand frère, il a confirmé tout à l'heure. Je ne cherche pas la visibilité. Je vais parler avec le papa de la petite. Le grand frère Patrick Audier, qui m'a tout expliqué en long et en large. C'est lui qui m'a permis de supprimer mon poste. Et je l'ai supprimé. Pas parce que j'ai peur de toi, mais pas parce que j'ai peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur. C'est pas ce que vous allez dire là qui va faire des trajets quelque chose dans ma vie. Vous faites depuis des mois et des mois, vous cherchez à me descendre. Vous cherchez à m'humilier. Vous cherchez à me rabaisser. Vous cherchez par tous les moyens possibles de me montrer comme celui que je ne suis pas. Mon frère, tu n'arriveras pas. Tu n'as rien à faire. Prends tes yeux dans ce là, faut les coller comme cela. Frappe tout sur toi, tu seras multimilliardaire. Tu seras comme Ali. Ali Bongo. Tu attends quoi pour venir Ali Bongo. Tes yeux dans ce qui rend l'homme milliardaire là, faut frotter tout sur toi. Prends, matin tu te réveilles là, tu mets tout dans le bidon. Et puis tu plonges dedans. Le lendemain là, tu deviens comme Ali Bongo. Tu attends quoi? Un vendeur d'illusions comme cela quand j'ai eu dans ce. Mon frère, faut rester dans ton monde, hein. Tu t'amusais à moi là, moi je serais ton pire cauchemar si Internet ici. Je serais ton pire cauchemar si Internet ici. Je vais te dire ton vrai nom chaque 6h du matin. Reste dans ton monde et laisse-moi dans mon monde. Je fais mes vidéos hilarantes, mes vidéos bêtes, mes vidéos qui n'ont pas de sens. Mon faux français, je me préfère dedans. Je me préfère dedans et je suis dedans. Je m'excuse auprès de maman Tina, auprès de la maman de la petite, auprès de son mari, auprès d'Ali Le Côte, auprès de toute la famille, auprès des hommes, des cousins, je m'en excuse. Je ne suis pas venu dans le but d'exposer la famille. J'ai reçu une information, j'ai fait mon rôle d'influenceur. La preuve en est, il y a une personne qui est partie mettre la fois dernière. Quand il y a eu affaire de Fabienne ici, là, qui est venu exposer ça ici? Quand il y a eu affaire de Fabienne, de la petite fille qui a été violée, qui est venu exposer? C'est moi. C'est vous-même qui avez exposé ça ici.